Ça, c'est un Lagerstroemia, un lilas des Indes. Donc, on a mis en plaque au mois de juin et on les rempote. Maintenant, on est au mois de mars. On est au mois d'avril. Voilà. Là, c'est très bien raciné. Donc là, le rempotage, c'est le même principe que le repiquage en godet. On met un peu de terre au fond du pot. On nettoie un petit peu la surface du plant pour qu'il n'y ait pas d'herbe. On le positionne et on remplit avec de la terre. On tasse un peu sur les côtés. On le met bien au milieu et voilà. Voilà. Moi, je conseille toujours de couper les terreaux achetés en sac avec de la terre franche. De la terre de jardin, la terre toute bête. Bon, il y a des trous de drainage sur les pots, mais on peut effectivement mettre un peu de gravier pour que ça n'asphyxie pas les racines. Voilà. Donc des graviers et même là où il faut se méfier beaucoup, c'est avec les sous-coupes. Parce que souvent on met des sous-coupes pour pas que l'eau aille sur le carrelage ou autre. Mais le problème, c'est que ça reste dans la sous-coupe et ça asphyxie les racines. Donc l'idéal, c'est de mettre des espèces de liteaux de bois entre le fond du pot et la sous-coupe pour que l'air circule. Voilà.